Ok oui, bienvenue dans la Minute Minecraft, spéciale édition troll, où on vous apprend à troller quelqu'un avec la redstone en moins d'une minute. Aujourd'hui, on va faire une machine à bruit absolument délicieuse. Alors pour la construction, il vous faudra tout simplement 9 poudres de redstone, 2 torches de redstone, 2 répéteurs, 5 blocs solides tels la cobblestone, 2 dispensers et une jolie somme de flèches. Donc vous voulez commencer tout de suite en faisant un pulseur, c'est-à-dire un cœur, en plaçant 2 répéteurs en position initiale comme ceci, les deux à 1 tick de délai pour faire une clock de 2 ticks comme ceci. On va tout de suite commencer notre monostable circuit qu'on va utiliser par la suite pour partir notre cœur. Maintenant on va tout simplement se faire un petit escalier, briser le bloc en dessous comme ceci, le replacer comme ça, shift-click, placer nos 2 dispensers faisant face vers le bas, donc ils vont tirer sur le répéteur juste ici. On va en placer un autre comme ça. On va maintenant les remplir joie comme ceci. On va après ça briser le bloc comme ceci. Et puis par la suite placer de la redstone sur nos 2 dispensers comme ça. Et maintenant magie, on va tout simplement tirer dessus. Bien. Donc présentement on a nos dispensers qui vont tirer extrêmement rapidement les flèches. Donc vous voyez, c'est un piège auditif assez rapidement installé. Et là, vous pouvez remarquer que ça continue, et pourtant, il n'y a plus rien dans le dispenser, et cela, même si on les brise, ça va continuer. Excellent, et maintenant, si on passe par-dessus, et oui, on récupère même pas les flèches. Donc, vous pouvez maintenant casser tout ça, votre piège est juste ici, et vous avez maintenant un bruiteur qui est absolument très agaçant. Ce que ça fait, c'est que ça, à chaque tick, ça fait une mise à jour par rapport au répéteur et donc ça fait bouger les flèches. Vous pouvez voir que si je me déco-roco, et ça continue même si l'animation n'est plus là. Donc et voilà, ça continue encore et encore. Et la seule manière de le briser, c'est de briser les répéteurs. Et là, vous avez vos flèches qui retombent par terre. Et voilà, vous utilisez maintenant votre système. Pour ceux qui se demanderaient, non, les flèches ne disparaîtront jamais car ils sont constamment actualisés. C'est donc un piège qui va fonctionner à l'infini. Et c'est déjà la fin de cet épisode de la Minute Minecraft épisode 2 où on consacre notre minute à l'apprentissage du troll avec la redstone. Donc vraiment quelque chose de très intéressant pour tous ceux qui veulent pranker leur ami dans leur serveur. Donc j'espère voir ça beaucoup dans les serveurs francophones. Un prank très peu coûteux en ressources, vraiment intéressant parce que le bruit est très étrange, agaçant mais étrange en même temps. Ça attire la curiosité et vous voyez que ça prend vraiment pas de place. Ça peut donc être caché partout. Pour tous ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode de la Minute Minecraft, allez le voir, il est très intéressant. C'est comment superpositionner des objets dans un cadre, donc ça aussi c'est intéressant. Et pour tous ceux qui veulent avoir plus d'informations sur une ferme pouvant donner de la nourriture à l'infini de façon 100% automatique, eh bien vous pouvez cliquer sur ce vidéo. Et pour ceux qui veulent avoir la construction et qui veulent des nouvelles à l'instant, eh bien j'ai eu quelques problèmes au niveau du multijoueur, il y a quelque chose à fixer dedans, je fais mes tests et je vous sors la vidéo le plus vite possible. Sur ce, c'était Zephyr pour sa chaîne de Redstone, la chaîne de Minecraft Zephyr. Merci.